Alexios, tu es revenu. Désolée, je dois filer. Attends! Je vais revenir. On se verra chez Aspasia. Parfois, je me dis que tu me ressembles trop. Mes amis, je sais que vous êtes en colère. Et vous avez toutes les raisons de l'être. Pourquoi se cachent-ils dans leur demeure, au lieu de remettre de l'ordre à Athènes? Sachez que Périclès est malade. Je ne m'attendais pas à te voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu excites la fureur de cette foule. Ça? Oh, ce n'est rien. Je vais rendre sa grandeur à Athènes. Nous sommes Athéniens. Nous réglons démocratiquement la défense. Et où le peuple doit agir. Aspasia. Oh, Alexios. Tu es de retour à Athènes. Ce qu'il reste d'Athènes. Le monde que nous avons bâti s'effondre à nos pieds. C'est aussi bruyant qu'un champ de bataille là-bas. Et aussi violent. Il réclame la tête de Périclès. Comme s'il pouvait apporter une réponse à ce désastre. Personne ne sait comment affronter la fin du monde. J'ai appris des choses sur ma mère. Son nom, celui de son navire. Alexios, ce n'est pas le moment. Périclès est mourant, il refuse de me voir. Il ne laisse même pas entrer Hippocrate. Il ne parle que d'une chose, aller dans son précieux Parthénon. Périclès est robuste. Il triomphera sûrement de la maladie. Tu as entendu cette foule ? Il est incapable de se défendre. Il périra sans gloire. Athènes le connaît depuis longtemps, bien avant l'arrivée de cette peste. Il a donné une voix au peuple. Son œuvre parlera pour lui. Oh. Périclès a besoin qu'on le soigne, mais il refuse de me laisser entrer. Il te respecte. Tu veux bien aller le voir? Je peux essayer. Si tu le fais, je prendrai le temps de parler avec toi de ta mère. Pour l'instant, il a besoin de ton aide. Alors j'irai. C'est Alexios. Bien. Entre. Je suis gêné que quelqu'un d'aussi fort me voie dans cet état. Je dois reconnaître que tu n'es plus toi-même. Je ne me sens plus moi-même non plus. J'ai apporté tes remèdes. Ah, oui. D'ordinaire, c'est Phoïbé qui s'en charge. Au moins, je suis en vie. Je ne peux pas en dire autant de la cité.
Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Eh bien, elle va appartenir à Cléon. Il lui reviendra de la rétablir en sa gloire. J'aimerais la voir de mes propres yeux. Viens, allons sur le balcon. Tout a changé. Je ne parviens même plus à me tenir debout pour regarder la mort dans les yeux. Tu te remettras vite si tu laisses faire Hippocrate. Mon heure est venue. La peste frappe sans distinction. Je crains d'avoir délaissé Athènes. Son peuple. Aspasia. Non, c'est faux. C'est gentil. Mais j'ai échoué. Aspasia a besoin d'être protégée, comme Athènes. Je pensais avoir offert suffisamment à Athéna, mais il semble que non. Je devrais être là-bas, dans les rues. Tu te feras tuer. La foule est en rage, et Cléon ne fait rien pour la calmer. Les dieux soient loués. Cléon ne me verra pas ainsi. C'est bien la seule chose que les dieux font pour moi. Ils m'ont tourné le dos. Tout cela n'est pas la faute des dieux. C'est le monde qui est devenu fou. Le sort d'Athènes est scellé. Il ne nous reste qu'à attendre. Tu devrais rentrer. Tu dois te reposer. Je devrais plutôt aller au Parthénon, mon legs le plus précieux à Athènes. Il nous faut la bénédiction des dieux. Mais Aspasia... Aspasia a raison. C'est vrai, souvent. Mais pas cette fois. Oui, je vais rentrer. Merci, Alexios. Dis à mon Aspasia que je serai sage et que je prendrai mes remèdes. Je lui dirai. Périclès a accepté de me voir, et même de prendre ses remèdes. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Phoïbé devrait déjà être rentrée. Je l'ai vue dans la foule à l'extérieur. Tu l'as envoyée quelque part ? Elle est allée voir Anastasios pour trouver un bateau. Dès que Périclès aura repris des forces, nous quitterons Athènes. Il le faut. Mais elle n'est pas revenue. Je suis sûre qu'elle va bien. Aspasia, il y a la peste. Tu as vu les rues? Et ce n'est qu'une enfant. Reconnais au moins ses talents. Elle est plus coriace que je ne l'étais à son âge. J'ai dit à Périclès que le culte était à Athènes. C'est devenu dangereux. Le culte? J'ai cru que la maladie le faisait délirer. Je vais aller la chercher. Où est la maison d'Anastasios? De l'autre côté de l'Odéon de Périclès. Quelle est? Ça a l'air d'être là.
Par les dieux! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quelle cruauté! Tout ça pour envoyer un message. Deimos doit mettre sa menace à exécution. Heureusement, Phoebe n'était pas ici. J'espère qu'elle va bien. À bientôt là. Phoebe ! Ella ! Ella ! De toute chose. Je te salue. Pardonne-moi. Alexios! Tout va bien? Il faut que je voie Aspasia. Nous devons d'abord trouver Périclès. Il a disparu. Je m'en fous de ça! Dis-moi où est Aspasia! Alexios! Pardon. Phoebe. Aspasia est partie chercher Périclès au Parthénon. Elle devrait s'y trouver. Il vaudrait mieux qu'on l'accompagne. Tu as raison, mon ami. Tu as raison. Aspasia connaissait le danger, mais elle t'a quand même envoyé. Désolé, Phoebe. Tu ne méritais pas ça. Huh?
Te voilà, Alexios. Vite! Périclès est peut-être à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui te prend? Phoïbé a été tué par des gardes du culte avant que je puisse l'aider. Oh non! Pauvre Phoïbé. Elle est morte seule, dans la rue. Non, tu l'as trouvée. Elle n'était pas seule. Je sais à quel point elle comptait pour toi. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Tu dois te battre. Pour elle. Aspasia, tu es ici. Des traces de Périclès? S'il est là, il prie à l'intérieur. Il a refusé de rester à l'abri chez nous. La situation empire à l'Agora. La folie frappe la ville. Agissons, nous parlerons plus tard. Périclès. Allez! Je vais détruire tout ce que tu as créé. Athènes m'appartient. Périclès! Ne te mets pas sur mon chemin. Tout est perdu. C'était un grand homme, peut-être encore plus que nous ne l'imaginions. Nous devons lui faire quitter Athènes. Prenons mon navire. Il faut partir, pour qu'il ne soit pas mort en vain. Jamais. Nous devons nous dépêcher. Reste près de moi. On ne sait jamais. Personne ne doit quitter Athènes.
ordre de Cléon. Et il exige qu'on lui amène Aspasia. Je n'irai pas. Partez. Ne les laissez pas s'en aller. J'aime ce rapport de Tout va bien. On peut y aller. Nous allons rester, Alexios. Quoi ? Pourquoi ? Mon travail est ici. Je ne peux pas laisser les Athéniens dans cette situation. Tu n'as pas besoin de nous pour veiller sur Aspasia. Laisse-nous protéger Athènes. Vous avez vu ce qui est arrivé à Périclès. Vous voulez qu'il vous arrive la même chose ? Si tous les opposants s'en vont, le peuple ne se lèvera pas contre lui. Ici, je serai utile. Oh, tu en es sûr ? J'ai vécu en Athénien, et je mourrai en Athénien. Alors, faites quelque chose pour moi. Bien sûr. Retrouvez le corps de Phoïbé. Donnez-lui une sépulture décente. Tout ce qu'elle mérite, et même plus. Merci. Il faut partir, Alexios. Et j'espère vous revoir tous les deux. En vie !